that's okay. I'm not aware that that's okay. Donc là on va les améliorer. Vu que je peux pas faire de château, ben je vais me contenter de ce que je peux faire, hein, bien évidemment. Bon, par contre les béliers, c'est vrai que il y a que lui qui fait plus de dégâts que la moyenne, mais je sais pas pourquoi. Pas moi. Et lui il fait 6 de dégâts par 6, je sais pas pourquoi. Voilà. Voilà. On va faire le bélier là. Puis de forage d'or. Voilà. Là on va vraiment s'attaquer à du gros calibre là. Et on va faire des béliers renforcés. J'aimerais bien faire les béliers de siège pour rapidement raser les bâtiments. Il me faut 1000 d'or, il me faut 1000 de nourriture et ça va prendre du temps de les avoir. Et j'aimerais vite raser les Russes comme ça. Plus vite je rase les Russes, plus vite je peux me concentrer sur mon dernier adversaire, les Perses. Donc je veux dire c'est bénéfique. Hein. J'en élimine un, puis après je m'occupe du suivant. Voilà. Après bon, bah, il faut quand même faire. Hein. C'est pas je vais éliminer, c'est quand même pas si simple que ça en réalité. Voilà, et maintenant je vais faire cette palissade là. Double bélier renforcé, c'est déjà pas trop mal. Hein. Ici, j'ai pas élevage, donc attendez, il y a une recherche qui me manque qui me sera bénéfique par la suite. Ça coûte 250 en nourriture, ouais, bon. Bah, j'aurais pu faire un onagre aussi. Je suis en train de réfléchir, j'aurais pu faire un onagre. Enfin, amélioration onagre, comme ça je rase les forêts là. Je fais un chemin ici et j'évite le château en fait. Ce qui est aussi une solution, hein. On évite la menace qui nous dérange. On stack directement là où on va attaquer. Donc c'est aussi une solution. À vous de choisir votre point d'attaque. Hein. On va construire ça ici. Je crois que je peux quand même passer en dessous. Alors les Russes, maintenant on va revenir un peu quand même sur la partie. Les Russes font faire que de l'infanterie et des béliers maintenant. Ils ont fait qu'à première recherche à la forge, je vais pas m'en plaindre. Et ici, vu que je peux faire ça, on va faire cette recherche. Et là, on va juste
faire cette muraille là aussi. Comme ça ils seront obligés de passer. Mes châteaux je vais les mettre au front. Comme ça ils seront obligés de passer. Ils attaqueront forcément mes adversaires. Ah, mes béliers de siège, je vais les envoyer. Donc les Russes vont lancer un assaut. C'est massif au début, comme vous avez vu, mais vous pouvez défendre avec votre forum. C'est pas un problème. Ouais, j'ai mes béliers de siège, c'est parfait. C'est là que vous voyez l'utilité quand même de mes deux châteaux en position des ennemis. Et quand ils contournent pas les châteaux, c'est très efficace. Voilà. Mais bon, faut encore qu'ils les contournent pas, ce qui est pas toujours le cas. Hein. On a vu que parfois ils aimaient bien aller bien dedans pour bien embêter. Et voilà. Voilà, donc maintenant que le château est neutralisé, on a neutralisé quasiment toute la puissance de feu de la Russie. Enfin, puissance de feu. La Russie n'a plus grand, plutôt, la Russie n'a quasiment plus rien pour se défendre. Ah, c'est ça. Ah, il y a des trucs. Une forge ici, donc, on va y trouver les derniers villages. Jamais bien loin avec la voix de toute façon. Voilà, on a retrouvé un. Donc c'est dire qu'ils ont une mine. Je sais qu'ils ont une mine d'or quelque part par là. Ah non, c'est un bûcheron, d'accord. Donc ils ont. Alors mine d'or, je cherche, parce qu'ils ont forcément une mine d'or quelque part, donc faut la trouver. Ici on pourrait après faire du commerce pour avoir plein d'or, ce qui est une technique aussi. Ils sont rendus. Et la Russie a abandonné. Voilà. Et maintenant, on va faire ça. Ouais, on va en mettre 5. Oh, quoique, il y a plein d'or au nord. Mes villageois, on en a encore pour un petit coup là-bas. Donc, on va déjà prévoir les villageois de remplacement. Il y a énormément d'or. Ça, par contre, c'est génial. Bon, avoir un ou deux châteaux en plus, ça m'arrangerait, mais... On a déjà un truc déjà sur... On a déjà l'un des deux trucs qui est important, donc on va pas s'en plaindre. Cette recherche-là peut être très utile aussi, expert de siège, vu que je fais pas de trébuchet. Enfin... Actuellement, je n'ai pas de trébuchet, et... J'ai énormément appuyé d'ailleurs sur mes béliers de siège, sur cette mission. Parce que je préfère attaquer par le nord en fait. En attaquant par le nord, on arrive directement ben, ici. Qui est un petit
petit peu le centre de leur économie. Par contre, j'aimerais bien avoir un château. Quitte à ce que j'achète d'or et pas cher à pire. Voilà. Donc, on va faire un château ici. Donc, tous les chemins mènent à Aperse, donc faut pas trop vous inquiéter, mais évitez d'attaquer si vous voulez pas que Aperse vous tombe dessus ou non. Là par contre, faut que savoir d'avance que si vous commencez à attaquer là-haut, il arrive parfois quand vous commencez à attaquer là, qu'il va vous envoie des troupes ben, attaquer ici. Donc ça peut être dérangeant si vous n'êtes pas suffisamment prêt. Maçon, oui, j'ai une tonne de maçons, c'est normal. Donc, ici ça va être bon. Technologie d'espionnage, ça va me coûter un bras si je vais faire 4000, ouais, ils ont que 20 villageois, c'est pas beaucoup. Et à savoir que cette technologie-là coûte force. Ah ouais, manœuvre, par contre, ça va être génial. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est grave, je perds la mémoire. D'accord, c'est un paladin qui part en exploration. Ah oui, manœuvre, voilà. Manœuvre sera juste parfait contre eux. Par contre, ça m'inquiète qu'ils aient envoyé un. En fait, c'est pas là qu'ils ont envoyé qui m'inquiète. Je peux pas vous mentir. Ah, c'est pas ce que je pensais que la Perse. Putain, mais il faut tellement vite les béliers. Oh, mais vous avez vu l'or qu'ils ont, les Perses? Ça rend fou, hein. Voilà. On va peut-être se foutre dans le château. En fait, c'est lui qui m'inquiète, sincèrement. J'espère qu'il va pas m'attaquer mes villageois. Ou pas? On a peut-être le planquer vite dans le château avant qu'il meure sa bataille, ça serait bien. Mmh.
Donc ça c'est bon, donc maintenant on va construire ça. Bon, c'est vrai que deux châteaux auraient été plus utiles qu'un. Ça, je dois admettre maintenant avec un peu de recul. Par contre, conscription sera très vite pratique, je pense. Je suis là. Oh, je peux faire armure à plaque en plus. On s'en sort. Voilà, on va en prendre 700, même 800. Que je pense que réparation va me coûter largement plus cher que va me coûter un bras. Et voilà, on a tenu. On a eu du mal, j'admets, mais on a tenu. J'ai failli perdre sa bataille, mais j'ai bien géré. Là, j'ai bientôt plus d'euros aussi, donc je pourrais bientôt raser ces villageois. Là où la recherche a été faite, de vitesse. Voilà, là on a vu vraiment la vraie puissance des Perses. C'est... quand vous n'avez pas assez de troupes, le ratio sont quand même assez violents. Voilà, côte de maille, donc. On va faire deux trébuchets. Vu que maintenant j'ai des châteaux en haut, c'est bon, on va pouvoir faire des trébuchets. Un trébuchet. Bon. C'est vrai que vous pourriez attaquer la paroi sud pour dégommer Jack Chatoua, ce qui pourrait déjà éliminer des éléphants en menace. Et attaquer par le nord, vous avez toutes les troupes qui défendent en fait la merveille, qui attaquent en même temps aussi. Donc au final, vous êtes un peu obligé de vous taper une grosse armée quand vous commencez à faire le siège au nord. Quoi que vous fassiez, vous allez vous taper une grosse armée, que vous le vouliez ou non, vous allez vous la taper. Hein.
Voilà. Plus qu'on trouve toutes leurs ressources. Bon, après, c'est vrai que c'est chiant parce qu'ils envoient plein de troupes, mais une fois que vous arrivez à prendre position vraiment là. Je vais pas dire vous êtes intouchable, mais presque. Important de savoir cela. Espionnage maintenant. Les Perses n'ont plus de villageois, je crois. En tout cas, au nord, j'en vois plus. Enfin, ici, j'en vois plus. Et là-bas, il y en a plus aussi. Donc voilà, ils ont plus de villageois. Et voilà, nous avons fini cette mission sans trop de difficultés. Enfin, fini. Faut plus que tout raser. Ça prend un peu de temps. Alors, ressources insuffisantes pour réparer, c'est pas grave. Parce que le plus dur a été fait vraiment là. C'est le seul. Je vais pas dire c'est le point compliqué, c'est vraiment le. La faiblesse en fait de l'Empire Perse, c'est que. Au nord, ils ont vraiment aucune défense, à part leurs troupes, toute leur production. Voilà, il y a une part. La moitié de leur production est au sud, c'est vrai. Et il y a quand même la moitié de leur position qui est là. On a cette arrêt là. Mais au final, ils ont tellement peu de troupes pour défendre quand vous attaquez par là où ils attaquent. Enfin, ils ont que des troupes pour défendre, mais ils ont aucune structure défensive. Ils ont ni tour, ils ont vraiment rien. Ce qui est dommageable. Voilà, c'est. Bon, après ça demande des minéraux russes, mais les russes ne sont pas en tout cas si compliqués que ça. Vous voyez le premier assaut, vous dites putain, comment j'ai l'air pour tenir. Une fois que vous les repoussez, au final, bélier et infanterie. Ah, qu'est-ce que c'est de repousser. Voilà, comme ça. Ah, on en met 6 dedans. On en fait un 6ème. Je sais plus le coefficient de vitesse que ça rajoute en fait à chaque fois qu'il y a une unité dedans. Mais bon. Voilà, bon. Hop. Ah oui, le truc qui est marrant, c'est que si vous attendez aussi, vous totalement bouffez cette forêt là, vous pouvez attaquer comme ça. Donc là on va envoyer mes béliers là. Donc ils ont vraiment plus de villageois, donc faut vraiment y raser. Thank you.
non, on va faire une... Ben non, on va raser à merveille. Attendez, il faut se faire des points. Voilà. Donc au sud, vous voyez, ils ont deux tours de garde qui protègent la porte. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous pouvez construire deux châteaux ici, c'est parfait, parce que toutes leurs troupes arriveront par là. Même si je crois qu'on peut passer ici en fait. On a vérifié. Bon, ben on a gagné. Voilà, plus de château. L'armée perse comptait environ 500 000 hommes, mais elle a été vaincue par l'armée mongole, deux fois moins importante. Les gouverneurs des villes isolées ont été exécutés en versant de l'argent en fusion sur leurs yeux et dans leur gorge. La ville du Capitole de Samarcande, dont on pensait qu'elle résisterait au siège pendant un an, est tombée en 5 jours. Les ossements des hommes, des femmes, des enfants, des chevaux, des chiens et des chats formaient des montagnes séparées. Nous avons parcouru des rues, éblouis par l'opulence des Perses, buvant à leurs fontaines et nous rassasiant de sorbets et de fruits tropicaux. Genghis Khan, qui était né sous une tente, avait l'impression d'avoir franchi les portes du paradis. La Russie et la Mésopotamie étaient maintenant sous notre commandement. L'Empire s'étirait alors sur 11 000 km de l'océan Pacifique à la mer Noire. Nous étions sur le point de pénétrer en Europe quand la tragédie s'est déclenchée. Mais vous ne verrez cette tragédie que dans le prochain épisode. Eh oui. Mais non, militaire, c'est un carnage. Hein. Ah, ils ont un stock de pierres. Maintenant, on sait où, reste, où il y avait le reste de la pierre. Ils ont 10 gisements de pierre, c'est ça. Bon, bien évidemment, voilà. J'ai beaucoup de villageois. Et voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie. On fera la prochaine fois la mission La Promise, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Et à tout le monde, encore merci d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie.